Allô, allô. Bonsoir. Bonsoir. Alors. Hop, attention. Incroyable, attends. Faut que je lance le jeu aussi parce que le jeu est pas lancé. Alors, tac, marathon cam. Comment? D'accord, ok. Allô, est-ce que vous m'entendez? Il y a un bras là dans le coin. Mais non, ça marche pas, c'est pas en dessous de la ceinture. Ça marche pas, voyons. Alors, hop. Oui, parce que donc, nous voici de retour. Hop, je mets le son. Je vais remettre le son du jeu aussi, c'est plus mieux. Voilà, hop. Donc, nous voici de retour pour la suite du marathon. J'ai fait un peu David Lafarge. Bonjour à tous, aujourd'hui, on va se retrouver pour la suite du marathon. Hop, je vais passer en mode marathon, paf. Voilà, donc, la suite du marathal sur Feu 13. Voilà, ça charge. Mais il y a Damiano, vas-y, dis bonjour à Zéphir. Salut. Non mais, monte ta gueule. Salut. Donc, tu vois, on te voit là. Voilà. Bah en fait ouais, j'avais pas prévu que j'ai le jeu et je me dis je sais pas si je peux trop le streamer, tu vois, parce que moi j'ai pas les accords tout ça et puis surtout ça va pas rendre ouf. Donc je préfère éviter d'avoir des problèmes tout ça. Mais oui, le jeu là, il est dans la console, tout va bien. Damien a pu tester. T'en as pensé quoi, Damien? Trop facile. Et tu m'as dit quoi tout à l'heure? Tu m'as dit ouais, si je croise Zéphir en live, je le bourre. Ouais. Stream-le et fais-toi ban. Non, je pense pas que je vais me faire ban en vrai, parce qu'à mon avis, je pense pas y vérifier et tout, mais... Ouais. Oui, alors du coup, l'histoire, en gros, on a enfin quitté Cocoon, qu'on voit normalement dans le ciel. Voilà, tu vois la planète au loin? Bah, c'est là où on était au début du jeu, en fait. C'est Cocoon, enfin, pendant presque 20 heures de jeu. Et là, en fait, on a enfin quitté le truc, on s'est rendu compte qu'on nous utilisait depuis le début, tout ça, et on est arrivé donc sur Pulse. Et donc cette vaste étendue, tout ça, enfin, là c'est juste une plaine, mais t'as plein d'autres trucs, t'as une espèce de montagne, t'as des marais, tout machin. Et donc on a des grosses bébêtes comme ça. Zef qui dit on aura l'occasion de vérifier ça, Damien. C'est parce que maintenant tu vois les chiffres que je fais, ça a fait des 20 000, des trucs comme ça. Mais du coup, ouais, je pensais pas l'acheter tout de suite sur PS4, mais je me suis rappelé qu'en fait, Monster Hunter, je l'achetais pas à Micromania de base. Parce que j'avais prévu de l'acheter à Micromania, mais au final, je l'achète pas chez Micromania. Donc ça me faisait économiser des chèques cadeaux. Donc j'ai utilisé les chèques cadeaux pour acheter le Dragon Ball, comme ça je suis tranquille. Et regarde, tu vois, ça c'est la taille de la map. C'est petite. Nous, on est là. Et c'est tout ça. Et du coup, il y a un système de mission, en fait, t'as des stèles comme ça qui te filent des missions, genre il faut aller buter un mob, etc. Et les oranges, comme ça, c'est les stèles qui te permettent de te téléporter. Pour ça, j'ai avancé un peu dans le jeu entre deux streams. Ah, le perso préféré de Zéphir. C'est le Joseph de cet épisode. Ah d'ailleurs, Zéphir, t'es toujours sub à ma chaîne ou pas? Parce que si c'est le cas, sache que maintenant, tu peux utiliser Joseph partout. Et si tu veux utiliser le Zamagot partout, faut t'abonner à 9,99. Parce qu'avant, je l'avais mis à 25, au sub 25. Mais maintenant, au sub 25, il n'y a aucun émoticône, rien. J'en mettrai une plus tard. Et sub 9, 10 euros, du coup, il y a Zamagot. Ok, pas de soucis. Et bonsoir, Daedalus.
Donc là, on va arriver dans une nouvelle zone en plus. Tu vois qui c'est, Atomos? Ça te parle ou pas? C'est une invocation. Une espèce de truc qui absorbe tout et tout. Bah en fait, dans celui-là, Atomos, c'est une espèce de grosse boule qui creuse dans les sous-sols. Donc là, on est au chapitre 11 sur 13. Hein. Étonnant, FF13, 13 chapitres. Et t'étais allé jusqu'où, toi, quand t'avais fait le jeu, tu sais un peu? Ouais, t'avais juste regardé un petit peu, t'étais pas... tu l'avais pas fini, quoi. Non, absolument pas. Ouais, donc si t'as fait moins de la moitié, t'y es jamais allé là où on est. Absolument pas. Ouais. Ah, t'avais le 2 aussi, donc il était déjà sorti à l'époque. Ouais, c'était il y a... Bon, il y a quelques années déjà maintenant, parce que le 13-2, j'étais encore chez mes parents. Il y a au moins 4 ans. Ouais, c'était il y a 4-5 ans. 2012-2013, on se voit. Oh, haute claire. Oh, même moins que ça, parce qu'attends, il est sorti en 2009. Non, celui-là est sorti en 2009-2010. 13-2, je crois que c'est 2011. Et du coup, ouais, 2013 pour le 13-3. Le 3, il avait pas. Bah, c'est pas très grave. Honnêtement. Là. Allez, bien, maintenant que j'ai augmenté mes persos, ils font des gros trucs et tout. Hein. Parce qu'en gros, entre les deux streams, par rapport au stream d'avant, on venait d'arriver en fait sur les plaines. J'ai farmé comme un enculé. Histoire que... Parce qu'en fait, il y a un long moment en fait où tu dois traverser la plaine et tout, tu te frites plein de monstres. Et le truc, c'est que en stream, tu vois juste faire des trucs où t'avances et tu butes des monstres, c'est chiant, quoi. Là, par exemple, je pourrais aller sur les côtés, mais là, je fais en ligne droite. Tu vois, c'est ça que je te disais, mon stick, il a un souci. C'est que tu vois, des fois, le perso se met à marcher. Alors que pourtant, je suis à fond. Non, mais c'est... Une... Tu crois? Et du coup, Zef, toi, tu l'as pris sur le PC et PS4 aussi, FighterZ, ou tu l'as pris que sur PS4 pour l'instant? Alors, Dissidia, je sais pas du tout ce que va donner l'histoire. T'as pris sur les deux en démat, d'accord. Je sais pas du tout ce que va donner l'histoire de Dissidia NT. Mais les dernières, c'était... Enfin, c'était sympa, si tu veux, parce qu'il y avait des petites références au FF, etc. Et puis, peut-être de voir les persos évoluer dans le truc et tout. Mais je pense pas que ce soit, bah, tout comme FighterZ, l'histoire, ce sera pas l'intérêt principal du jeu. Quoique, sur les Dissidia, en général, il y a un petit côté RPG qui est assez sympa. Il y a des donjons et tout, donc ça peut être cool. Mais après, dans la bêta, on n'a rien vu du tout de ce que donnait le mode histoire, donc je sais pas du tout ce que ça va rendre. Mais après, sinon, vraiment, au niveau du gameplay, pour le peu que j'y ai joué, franchement, c'est très très cool. Donc si t'aimes bien les jeux de combat et que t'aimes bien Final Fantasy, franchement... Par contre, je suis en train de me faire ouvrir. Sont boostés à l'infini là les mecs. Je vais les voir dans ça. Ouais. Ouais, bah y'a pas de soucis. Ok. A toutes.
Tu pourras éteindre la grande lumière au passage? S'il te plaît. Attends, je vais le recommencer sûr. Merci. Ouais. Bah à tout hein. Si t'as besoin de quoi que ce soit, tu m'appelles. Hein. Point, 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 point. Ah bah franchement je pense que la durée de vie pour le coup ce sera pas un problème hein, parce qu'après tu joues en ligne etc donc il est fâché au plan. Putain mais niquez-vous, c'est pas vrai ça. Mec il se reconfigure à l'infini là. On va voir Atomos très bientôt. Alors en plus j'ai gagné un niveau en saboteur, c'est bien. Tacticien, ça c'est bon. Ravageur, il me manque encore des trucs en ravageur. Bon. Bonus de force et j'ai un bonus de PV que j'ai pas pris. Il est où? Ah, c'est des vieux bonus de niveaux d'avant que j'ai pas pris. Ah, par contre, ça va être intéressant parce que soigneur. C'est un peu ce qui me manque chez Hope en fait. Ah oui, clairement, c'est pas un jeu fait solo, hein, clairement. グランパルスのファルシが開いた道さ。今頃別の土地を耕してるのかな?なんか、コクーンのファルシとは雰囲気違いますよね。周りも気にせず、好きにやってるというか。まあな。
Putain, j'ai chopé un truc parce que j'ai froid. Oula, excusez-moi. Voilà, on est dans les mines. Une mine. Ah, du coup, il y a de nouveaux trucs. Poignée de guerrier. Et garage Lenora, ils vendent quoi en plus? Ah, la fibre optique. Ça, la fibre optique, c'est grave bien. Ah, et le conducteur parfait. À pouvoir faire des vrais améliorations d'armes, même si on a déjà le RND, donc de toute façon c'est mieux. Mais après c'est déjà plus cher. Il y a pas grand monde ce soir. Bon après il est, on vient de commencer, mais. J'aime bien Fallen quand même qui fait ouais, j'ai acheté le jeu tout ça pour jouer Ryu. Alors que c'est pas vrai, je joue Ken. Ah, la fibre optique, putain. Oui, j'avoue. Mais c'est pas vrai! C'est pas vrai! Je le fais plus ça maintenant! Franchement, tu regardes comment je joue mon Ken maintenant, ça n'a rien à voir avec comment je le joue au début. Hein. Je le joue vraiment comme un Ken, je fais les footsies, je fais les trucs et tout. Arrêtez avec ça, je fais pas un jeu de boule. Je fais quasiment pas de Hadoken en plus. Non, c'est pas vrai. Mensonge, calomnie. I refuse. Bon, en vrai, je vous pose vraiment la question. Vous croyez que si je stream Fighter Z, ça va. Je vais me faire niquer ou pas? Après, bon, c'est en qualité dégueulasse. C'est en qualité dégueulasse. Et je suis une petite chaîne, donc bon. Ça se tente. J'en attendais pas moins de toi, Zef. À toi, sous l'ancien régime, t'aurais fait de la délation directe. Bravo. Putain, le pire quoi.
des flancs rouillés, quoi. D'ailleurs, clairement, c'est de la rouille, en fait. Get lee pai sora wa karete ipai ro pai ke uki take my soul. Fais comme tu le sens, bon. Dans ce cas, je ferai comme je l'entends. Il va tellement avoir la blinde de magie, hop. Donc là j'ai tout. Venir. Voilà, Saz. Salut Curie. Ah, donc on augmente les cristériums à l'infini. Ouais, parce que bon, je me dis, sait-on jamais. Mais surtout quand je fais du... Ce que je vous dis pas, hein, c'est que quand je ne stream pas et que je fais du level up, j'optimise l'équipe, donc je ne prends pas forcément l'équipe qu'on a choisie. Hein. Voilà, je vous présente Atomos.
Ah, il y a très important, il y a une quête qu'on va pouvoir faire ici qu'il va falloir absolument qu'on fasse. Parce que c'est une quête TP, donc... si on veut avoir la TP, c'est très important. Voilà, mais hop, il leur roule dessus. Hop, c'est tellement le meilleur mage. Et en plus, là, vous le voyez pas forcément, mais j'ai amélioré les armes. Si on regarde, par exemple, tac. Vous, niveau 15. Donc, si tu regardes, ouais, tu vois la différence de stats, ça augmente quand même violemment. Pareil, Sceptre Belladon, niveau 17. Et là, Halsberg... Niveau 16, et faut savoir qu'à la base, ça portait pas le même nom, c'était Vidofnir le nom de, du boomerang. Vidofnir, Halsberg. Y a un pattern. Voilà. Et la cible qu'on doit aller chercher, elle est là-bas. C'est parti. Allez, allez. Ah, l'autre, il les met à jour, ce bâtard. Bon, pourquoi Hop, il fait rien, là? Ah. Voilà, ça y est, Hopi se réveille là. Voilà. Bon, score de merde. Ah, mais parce que c'était pas lui. C'était pas lui le boss. Son bac, il l'aura pas. Monsieur, il l'aura.
La violence. On sent que c'est un autre niveau Pulse quand même, hein. J'aurais peut-être pas dû m'attaquer à lui en premier. Allez. Voilà, je le garde quand même assez élevé, lui. Allez, allez. Ah mais il appelle des renforts l'infini, c'est relou. Allez, tiens bon. Putain, enfin. En gros, faut trouver un moyen de s'en débarrasser très très vite si tu veux pouvoir combattre facilement ce groupe, parce que sinon il appelle des renforts. Hein.
Voilà. Je vais avoir un score de merde. Voilà, zéro. Mission accomplie. Marque de sorcier. Ah. Ça, c'est bien. Pour le petit. Comme ça, on a deux marques de sorcier. Et ça, c'est... Ça, c'est... C'est royal. Qu'est-ce qu'on peut lui mettre d'autre? Ouais, non, augmenter sa magie, c'est pas nécessaire. Les points de vie non plus, il a déjà beaucoup. Non, mais c'est très bien, ça. Voilà. Ah bah c'est justement par là-bas qu'on doit aller. Allons-y, let's go. Je sens pas très très réactif ce soir. Alors, je sais que c'est pas le moment le plus fascinant du jeu. Je sais plus s'il y a des trucs de scénar dans la tour de Tajin ou quoi. Parce qu'en vrai, je me dis, j'aurais dû continuer et recommencer direct là où l'histoire recommence, quoi. Parce qu'en vrai, là, pour l'instant, ouais, il va pas y avoir grand-chose avant un petit moment. Parce que là, il y a les mines. Après, on arrive à l'extérieur, on est à la tour de Tajin. La tour de Tajin, c'est un espèce de grand donjon. Puis en plus, c'est ultra long, la tour de Tajin. Ça fait 8h, 12h. Ah, tranquille, ça va. Pas trop compliqué. Ah, déjà à l'extérieur, ok. Ah oui, parce qu'il y a un autre truc avant la tour de Tajin. Ça va, c'est pas compliqué la vie pour toi, Curie. この花、オバテル。ああ、オルバの村に咲いてたよな。もうすぐだね。グランパルスがこうなったのは私のせいだろ。え？この私だった。あの時ラグナロクになって。 Oh! Vanny, elle a menti! Elle a dit que c'était elle qui était devenue Ragnarok alors qu'en fait c'était Fang! Ah, bah il était temps! Il était temps, putain! Ouah, y a juste les deux frangines! Okay.
Bon, le sabotage, ça a l'air de bien marcher. De toute façon, avec Vanille, il faut certainement soigner. Bah oui, bah elles sont... Oui, ouais. Enfin, je dis frangine parce que... Oh, vous avez compris. Ce mec, il était compliqué celui-là. Allez, vite, 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 vite. Oh, je vais tellement mourir. Yes. Oh, j'ai tellement bourré carré comme un sac. En espérant que ça passe. Non mais ouais, j'aurais pas dû dire les frangines, pardon. J'ai déconné. Voilà, enfin. Il était temps, putain. Une réforme du bac en 2021. Ils veulent faire quoi? Mais... 知ってたんだな。ラグナロクは全部をぶっ壊す力って。私が辛いから嫌なこと全部ワングが。だからって隠してんじゃねえよ。私が喜ぶと思ったか。何でも自分のせいにしやがって。 Le bisou. Oh.
On se bouffait le minou. Bon bah c'est bien maintenant que Vanny a une ATB en plus. On va pouvoir faire des vrais trucs. Et maintenant du coup tous les persos ont leur Eidolon. Il était temps putain. Il arrive grave tard en plus l'Eidolon de Vanille. Du coup tout le monde a 5 barres maintenant, c'est bien. Ah ouais d'accord, ça marchera sur un système d'options, c'est plus filière. Bah en soi c'est tant mieux parce que les filières c'était juste un moyen de. Enfin de séparer. Enfin de mettre les gens dans des cases et tout. Puis limite moi je me souviens une fois ma prof de maths qui avait balancé réunion parents prof, elle avait dit ouais non mais de toute façon votre fils il ira jamais en S, il fera jamais rien de sa vie et tout. Bon elle a pas tout à fait tort parce que quand on voit ce que je fais aujourd'hui voilà. Mais en gros c'était S sinon rien quoi, c'était. C'était une connasse hein, ma prof de maths clairement. Une grosse connasse élitiste. Les meilleurs. Non mais Curie, tu peux pas. toi t'as un avis très arrêté aussi hein, sur les choses. Vous êtes un peu un nazi. Et un peu je suis sympa tu vois. Je sais que tu es nostalgique d'une époque que tu n'as pas connue. Comme beaucoup, hein, tu me diras. Mais... Les L, qui sont-ils? Quels sont leurs réseaux? Moi, j'ai fait ES, tu vois, donc... Je prends pas de parti, moi. Des gens comme Hope. Voilà. Ouais, non mais vous verrez quand on sera à Grand Pulse, ce sera plus des lignes droites. Hein. Ouais.
plus des lignes droites. Je vous laisse regarder. Ouais, ça sent... J'étais sûr que ça allait sentir le décès, là, parce que là... Donc là, tu vois, Zef, tu reconnais cette bestiole? Est-ce que ça te rappelle de bons souvenirs de T4? Oh merde! J'ai oublié qu'ils étaient quand même balèzes. Hein. Ouais. Heureux. Je suis en train de me faire défoncer. Je suis obligé d'alterner entre les stances défensives et tout pour pouvoir m'en sortir, parce que là... C'est même pas un boss en fait, c'est juste un monstre basique mais qui est très très fort. Thank you.
En train de parler des filières apparemment. Tu étais au courant qu'il y a une réforme du bac qui est prévue là apparemment pour 2021. Est-ce que c'est Curie qui en parlait? C'est apparemment ils voudraient séparer le principe de filière pour faire comme en Angleterre ou en Belgique, apparemment, il y a un truc dans ce style-là. Ouais, non, mais en fait, ça serait un truc avec des options, tu vois. J'espère qu'il rapporte beaucoup parce que pour le mal que je me donne à buter. Curie, il a... tu vois comment il est Curie. Il a dit un truc genre, il dit ouais c'est bien d'être en S, tu côtoies pas ces... Moi je veux rester en S parce que tu côtoies pas ces gens étranges que sont les L, tu vois. Et forcément, bah, ça trigger quelqu'un dans le chat qui répond sérieusement à une punchline de Curie, tu vois. Mais apparemment, ils sont partis dans un vrai débat, donc j'ai pas pu trop suivre parce que... Non, t'es pas sérieux, je suis pas mort. Ah, ça me saoule. Ah, ça me saoule. Bon, laisse tomber, c'est pas grave. C'est bien de trigger les gens. Ah ouais, non, mais je sais que c'est ta passion, Curie, mais... C'est pour le beau jeu, c'est le sport. Écoute, t'as vu Vincent et tout ? Bon, c'est quoi les histoires là? Pourquoi j'arrête pas de me faire rouler dessus là? J'aime pas ça me faire rouler dessus, c'est pas très agréable. Non mais oui, en soi t'as raison Curie, hein. C'est clair que... Mais tu peux créer du débat sans trigger forcément les gens, hein. D'ailleurs tu sais, Curie, c'est le genre de mec, il va sortir un truc comme ça, puis il va se taire, il va laisser les autres parler sur le truc qu'il a lancé, tu vois. Genre, je pose ça là, j'y vais, hein. Je vous laisse... je vous laisse mariner votre truc. Il y a un gamin au magasin, il m'a dit, tu sais, il vient nous voir, il fait bonjour, tu sais, comme ça, il genre super content et tout. Et puis il regarde comme ça, il fait, ah, c'est sale par terre et tout. J'ai dit, putain, il a dit l'autre fois, j'avais dit qu'il fallait nettoyer, parce que c'est déjà dit, il avait dit, ouais, faut nettoyer, c'est sale et tout. Enfin, ça, j'avais dit, bon, la paix. Et à un moment, tu sais, je suis en train de ranger les Toy Pop là dans les rayons. Il me regarde comme ça, il fait, toi, tu ressembles à Cyprien. Et après, en partant, le môme, il m'a dit,
Il a dit au revoir monsieur à mon collègue, il dit au revoir Cyprien. J'ai cru que j'allais le tuer. Hein? Non, c'est juste un gamin qui vient avec ses parents et puis de temps en temps il passe au magasin, tu vois. Parce que ses parents doivent faire les courses à côté. Ah, sombre lame! Oh là là, mais c'est qu'on s'approcherait de la fin de Final Fantasy, quoi, bâton, bâton. Bâton. Ah oui, je me disais, il allait oublier un bâton. Ouais, on se rapproche doucettement de la fin, en effet. Bon, on a encore un long morceau à faire, mais quand même. Déjà, on est sur Grand Pulse et c'est une belle avancée. Excusez-moi. Bon, bonus de force, on s'en bat les couilles sur Hope. Par contre, les accessoires, ça peut être intéressant. C'est comme ça, hop, on lui met un accessoire de plus, il y a déjà Marc ce sorcier. Et on va lui mettre... Putain, hey, je peux passer à 1000 et quelques de magie. Et est-ce que je peux faire... Alors... Ah, c'est bien ça. Ça, on va pouvoir obtenir un vaporisateur, c'est cool. Et Akuri te dit salut Damien. Ouais, j'avoue, tu voudrais en mettre encore plus. Hein. Même 3 accessoires, je trouve que c'est pas assez. En vrai, faudrait pouvoir en mettre 5. 5 accessoires, là, ce serait lourd. J'adore les explosions. Bon, quand est-ce qu'on arrive à la fin des tunnels? Et il y a Vanny du coup qui a enfin récupéré son invocation. Avec la magie. Ouais, donc Xeno 2, ouais, t'as plein de trucs que tu peux équiper au perso. T'as trouvé ou pas le chargeur? Ah, donc c'est bon, ça marche sur ton téléphone? Ouais, par contre le câble il est grave court, hein, je suis... Bah au pire... Non, je crois que toutes mes rallonges USB sont marchées. Regarde s'il n'y a pas une rallonge USB dans le sac vert, tu vois. Petit sachet vert. Non, y a plus rien. Non, bah les deux sont branchés. En tout cas, ouais, au moins t'as de quoi. T'as de quoi faire.
Bon, le gros d'abord. Phalange en boîte, quoi. C'est quoi ces blagues? Voilà. Phalène en boîte. D'ailleurs, on n'a pas vu, mais j'ai récupéré Chocobo aussi dans le jeu. La grande zone où on était avant, tu peux récupérer Chocobo, faire une petite quête annexe et tout, mais je les ai récupérés. Allez, c'est parti. On n'est pas mieux qu'à dos de chocobo. Ouah, le robot il l'a protégé, regarde. Vas-y. Oups, c'est l'ami des robots. Protégez le maître. Donc voilà, on peut monter à l'intérieur d'Atomos. Pouette, pouette, pouette. Ah, une nouvelle mission de TP. Alors, je vais voir ce que c'est. Il y a encore toute cette zone-là. C'est grave long, je m'en souvenais pas. Après cette zone là je crois qu'elle est plus petite par rapport à la zone qu'on vient de passer. Omajinai? Sera to mite tan da. Coucou,
Comme si dans le petit cristal en forme de larme, genre elle l'entendait, tu vois. C'est juste une larme, c'est pas... Oh mon dieu, un flashback! こんな景色を壊す使命なら果たせないまま死骸になった方が良かった。でも私のせいで巻き込まれて、ルシにされた子たちがいた。怪我は大丈夫？ん？ うん。 Ah oui, la tour de Tajine, tu parles, Dédalus? Ouais, c'est la tour de Tajine, elle est grave longue. Enfin, quand tu cherches à tout faire, si tu fais en ligne droite, ça va un peu plus vite déjà. Ils sont sur l'île de la destinée. Le jeu, c'est pas déjà une très longue ligne droite. Oui, un peu, mais bon. Ah non, je vais pas acheter FF15 PC. Direct dans ma tronche en fait. T'es sérieux? Il pique un peu quand même. Ouais, la Royal Edition, bah. À voir les. Parce que les bonus de la Royal Edition ont l'air intéressants par rapport au DL. Au. Comment dire? Au Season Pass. Après, repayer 20 balles pour avoir les trucs qu'il y a en plus sur le Royal Edition. Alors que moi, de base, j'ai payé le jeu plus le Season Pass. Enfin. Et les gens qui ont attendu, qui l'achètent maintenant, ils le payent 50 balles, ils ont tout quoi. Ah mais Vanny, elle va s'excuser jusqu'à la fin de l'univers, hein.
Non mais le switch entre les 4 personnages, ça c'est déjà avec le Season Pass. Hein. Enfin, c'est une mise à jour qui est gratuite de base sur le jeu. Hein. C'est pas un ajout de la Royal Edition, ça. Non, les vrais trucs qu'il y a sur Royal Edition, il y a des nouveaux boss, il y a des nouveaux trucs et tout. Ouais, je crois que tu peux déjà le faire, hein, le switch entre les persos. Hein. Enfin, mais je crois que c'est que si t'as le Season Pass, par contre. C'est un truc qui est lié au DLC. Un fluide énigmatique. Je me demande bien ce que c'est. Ah, c'est juste une mise à jour, ouais, donc ça va. Du coup, ouais, c'est accessible à tout le monde. Ouais. Encore heureux que ce soit juste une mise à jour, parce que pour le truc que c'est, normalement, ça aurait dû être de base dans le jeu, tu vois. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller jusqu'à la tour de Tajin. Le nom est marin. C'est sur Insta. Ah, tu dois avoir des recours quand même. Pour ton stage, tu sais où tu en es ? Ah oui, c'est samedi, tu m'as dit. J'espère que ça va se passer au moins. En Corrèze. Et normalement c'est un truc actif dans l'arbre de compétences, d'accord. Bah je regarde, on verra ça quand, quand je ferai le jeu pendant le marathon du coup. Et au fait hein, j'ai vérifié, j'ai un engagement d'un an, enfin jusqu'en mai avec Bouygues. Donc au plus tard la fibre je l'aurai en mai. Puisque du coup si je l'ai toujours pas avec Bouygues, bah je passerai chez Orange pour l'avoir. Mais bon j'espère que je l'aurai avant ça. Très bien que je l'ai en février la fibre. Enfin, déjà qu'ils fassent l'installation en fait Orange, mais je sais pas combien de temps ils vont mettre. Voilà. Pas ton message avec les... Ah d'accord, c'est Curie qui a. Bah bravo Curie, bravo. Tu abuses de tes droits? Ça time out pour aucune raison? Ah, tu l'as banni carrément! Oh le sac à merde! Oh le sac à merde! Oh ce misclic!
Miss Click de toute beauté. C'est la première fois que ça m'arrive. Ouais bah ouais, oui, j'espère bien que c'est que la première fois que ça t'arrive. Ah mais c'est pas grave, ça arrive. C'est juste sûr pour des Dédalus quoi. Pardon. Ah mais Kaye est sur un téléphone aussi. Je t'ai déjà dit, bosse avec du matos professionnel là, on a l'air de quoi. Elle fait tellement mal, Franck, maintenant. Je suis près des 1000. Je crois que vers la fin du jeu, quand t'arrives à maxer les armes et tout, je crois que t'es vers 2000 et quelques de force et de magie. Mission complete. Chai Scali, d'accord. Bonsoir Hibiko. Ah oui, la qualité du stream est à chier, hein. Ouais, je sais, mais c'est regardable quand même. En fait, j'ai pas une très grosse connexion, mais j'essaie quand même de streamer parce que voilà, la passion. Ah, c'est les phrases de test chat de Curie. C'est pour tester si ça marche bien. Il dit Heil Hitler, comme ça il est sûr que ça va. Je savais pas que c'était si long pour arriver à la tour de Tajine. Pour moi, on arrivait direct ici, j'avais complètement oublié les mines. Et normalement, après cette zone-là, on arrive à la tour de Tajine, on est d'accord.
N'empêche, je commence à taper des 25 000, ça fait plaisir. Je crois que j'avais réussi à caler un 30 000, un truc comme ça, à un moment. Ouais, c'est la tour des sauces vegan, c'est ça. Ah bah on y est presque là. Putain, y a encore ça? Mais c'est pas vrai. Kokun wa ima dou natten darou na. Mou sugu yugata da ne. Kono hen ni tomarokka. Ah oui, non, mais parce qu'il y a une CG avant. Bah, et la petite CGI qui va bien. Ouais, grand max, la fibre en met, exactement. セラが話したいってさ。説教は抜き、優しくな。帰ったら私をどうするつもりだ。でさ。セラがそう言ってる。脅かすなって。結婚式。 しっかり受け止めてやれ。涙はこいつで最後。一生泣かせない。当たり前だ。また会えるよな。違うだろ。前だけ見てろ。必ず会える。 Oh. Genre, ça y est, pour une fois elle flanche et du coup genre elle se met derrière lui pour pas qu'il la voie. Ah, oh, c'est ton anniversaire le 10 mai, Curie. Sérieux? Oh putain. C'est pas sérieux? Si? Ah bon. J'ai cru que c'était le même jour pile poil, j'allais faire putain. Le hasard d'enculé. Ouais, t'as eu un spasme? C'est la drogue ça, je t'ai déjà dit d'arrêter. 4 ans. 4 ans que t'as arrêté la drogue? Bah c'est pas assez. C'est pas assez Damien, c'est pas assez. Oui. Attends, ça fait quoi si je l'améliore ce truc là? Hop. Ah voilà, il me semblait bien qu'il y avait un truc comme ça.
Ah mais c'est nul, j'aurais pas dû l'améliorer. Ah non mais c'était mieux le stade d'avant en fait. Ah, putain. Ah quoi que. Peut-être que. Non. Ah putain, je me suis fait baiser. J'ai sauvegardé avant. Merde. Si si, il fait l'internet, tu regardes. Il est sur son téléphone. Ouais. Ça si t'étais juste. Bah je pense que. C'est ta direction. Ah oui, plume de chocobo, ça fait passer direct au niveau au-dessus en termes de. Ah, d'accord. Ah, par contre, ça, du coup, ça m'intéresse pas. C'est chiant parce qu'à certains objets, quand tu les fais évoluer, en fait, l'effet est moins intéressant. Ah oui, oui, le truc au niveau max est cool, mais t'as l'intermédiaire n'est pas forcément ouais. Intéressant. Parce qu'en gros, là, l'équipement que j'ai sur Hope, tu vois le trèfle de jade, ça te permet d'obtenir des vaporisateurs. C'est les trucs qui fait que tu peux avoir, par exemple, des vaporisateurs qui te font disparaître ou des trucs comme ça. C'est quand t'appuies sur L1. Attends, si ça me le fait. C'est les trucs qui sont là, les vaporisateurs. Genre, tu utilises avant un combat, ça te donne des bonus, des trucs comme ça. Et quand tu l'améliores, ça donne un trèfle d'argent qui augmente les butins que tu récupères en combat. C'est cool aussi. Je t'écoute. Mais c'est moi, ce qui m'intéresse, c'est que ce soit des vaporisateurs, justement. Et quand tu l'augmentes, après, le trèfle d'argent, ça donne un trèfle d'or qui permet d'obtenir un plus butin rare. Mais je l'ai déjà. Donc moi, je veux justement garder le trèfle de jade, tu vois. C'est pour ça que je veux pas l'améliorer. Bon, en vrai, on va augmenter le truc de lutteur. Mais par contre, je viens de tilter un truc. Alors, parfait. Voilà. C'est que la plume de chocobo, ça te fait passer direct au niveau dessus. Ah non. Ah bah, c'est pas à tous les coups. Voilà. Hop. Oscillateur quartz. Bim. 120. Waouh. 156. Bonjour, je suis une armée à moi tout seul. Ah oui, la BO par contre du jeu, elle est vachement cool, hein. Ça c'est clair. Ouais, c'est ça, donc on va arriver à la tour de Tajin normalement. Pas dans le mood, c'est pour ça.
Ouais, cette musique, je la reconnais. Voilà, regarde, ça c'est la tour de Tajin. On va la voir de toute façon dans une petite cinématique indé. Regarde. Et en gros, on va devoir faire tout le chemin de la tour. Après, on va redescendre. On va arriver à Oerba. Une fois Oerba, ce sera la fin du chapitre. Après, il y aura un chapitre en plus où on retourne sur Cocoon. Et après, la fin du jeu, c'est le dernier chapitre. Ah ouais, le Falci, il a pas le temps. Et en plus, on va avoir la petite dalle de TP. Qu'il faut qu'on fasse, comme ça on aura le téléporteur. Bah, il est là-bas. On va aller jusqu'à l'entrée de la tour, comme ça on fera le combat et on aura le TP. Et comme ça, jusqu'au prochain stream, je pourrai les farmer. Un magma, mais c'est marrant parce que même si j'ai un peu farmé pendant que je stream pas, tu vois quand même que c'est grave dur parce que même là les monstres je leur roule pas dessus, quoi. Donc le gap entre le moment où t'es sur Cocoon et maintenant c'est grave élevé, quoi. La tour de l'éternité, c'est le vrai nom de la tour de Tajin? Je m'en souviens même plus. Ah oui, non, c'est tu dis ça parce qu'elle est grave longue, c'est pour ça. Ah oui, non, mais... Par contre, c'est un super spot de farm. Il y a une mission, en fait, que tu peux recommencer à l'infini. C'est un spot de farm intéressant, aussi bien en termes de thunes que d'XP. Le vrai blast, c'est la tour vegan. Quoi, le tagine, c'est forcément vegan, je crois. Tu sais que j'ai... Je sais même pas à quoi ça ressemble, le tagine, en fait. Ah oui, il y a une espèce de... Tu sais, il y a une espèce de propos dessus. C'est cuit, elle est un peu... Elle est tout... C'est vrai que ça ressemble à une tagine. Tu mets tes aliments, ouais, dedans, et en fait, c'est... Récupère. C'est comme si tu faisais à la vapeur. Ouais, tu sais ces trucs à la... Mais dans l'idée, c'est ça. Ouais. Surtout marocain. Les réflexions de Curry. Allez, on va battre les monstres qui font du roller. Tu vois les petits verts, c'est des gobelins. Ouais.
CFDP de leur mort. Putain, Curie. En 40, mes réflexions préfèrent baisser le débat populaire. On t'a déjà dit, Curie, faut arrêter d'être nazi. En vrai, Curie, c'est même pas un nazi, c'est un bolchevique. Ah non, mais lui, il a mère patrie, tout ça. Voilà, Ibidaï. Ouais. Soigne-moi. C'est bien. En fait, ce qui est chiant, c'est que Fang, elle a pas dissipation. Ça permet d'enlever les bonus que les ennemis ont. Et ça, il n'y a que Vanny qui l'a, en fait. Ah, si elle... Ah, putain, elle l'a appris. Génial. Bah, ouais, bah, c'est parce que j'étais persuadé du contraire, mais le truc, c'est que j'ai monté de niveau et j'ai pas forcément regardé ce qu'elle a obtenu comme compétence entre-temps, tu vois. Ouais, je suis vraiment un sac à merde. En plus, j'arrête pas de dire que je connais le jeu. Ouais. Ta DS ? T'as pas perdu le code quand même, de toute façon tu l'as laissé non, dans la boîte. Le code, je l'ai, il est dans la... What's in the box ? Bon, je crois qu'il... Bah de toute façon ouais, l'autre fois tu l'as... Quand tu l'en es pour revenir chez moi l'autre fois, tu l'as pas rerangé entre temps. Le généralissime camarade Staline, c'était le maître de la dictature, ce fut une très grande perte dans le monde dictatorial. C'est beau ce que tu dis, Curie, putain, je vais verser une larme. Comment ? Ah mais ça, t'inquiète pas, je pense que Curie, il est très au courant. Bah, et Curie, de ce que j'ai cru comprendre, il est quand même plutôt bon en histoire, donc... Parce qu'il y a Damien qui me fait savoir que Staline, c'est quand même une des personnes qui a tué le plus de gens dans l'histoire. Bah il est déjà repris hein, le marathon son Borlan. Tu es actuellement en train de le regarder. J'aime bien son Borlan qui essaie de créer des mèmes, c'est beau. Alors Curie lui dit ça c'est un détail. Il dit c'est un détail. C'est un détail de l'histoire. Comme dirait Dieudonné, on ne dit pas pff à 6 millions de morts. Fais un tour dans ta vanne et puis profite-en pour récupérer tes affaires pour dormir. Hein? Sinon ça va te... Ah non, j'ai... Merde. Pendant une seconde, j'y ai cru. Je me suis dit non. Jamais. Jamais.
Sinon, t'insulter car t'as récup un certain jeu de ton boulot, on en parle ou pas? Ah, mais t'inquiète. Là je vais mettre pause. Et tu vas voir, sombre lame, tu vas apprécier ce que tu vas voir. Staline, vraiment, il a su tirer avantage de la Seconde Guerre mondiale pour devenir l'homme qui décide où est the place to be. Il a quintuplé tous les types de produits de production russe. Tu vois, il s'y connaît, hein, il connaît son sujet, hein. Il a taffé, hein. Il connaît son sujet, hein, Curie, il a taffé, hein. La tour de Tagine. Grand Pulse. Ouais, parce que... Mais, quand je vais débrancher, la... celle de ce que je suis en train d'utiliser. Parce que du coup, sur PS4, j'ai pas besoin de la laisser brancher, tu vois. Là, elle est branchée au PC. Mais quand je vais la... Oui, d'accord, j'ai compris. Je pourrais te le filer à ce moment-là. こう言ってる。暴虐なるもの住まう塔なり、早急に立ち去れ。私たちはこの先へ行かなきゃいけないの。お願い、どうして。我らを求めよ。さらば道は開かれん。 Regarde, s'il y a des roulettes. Ah, c'est marrant, ça fait une musique en fait quand tu montes. T'as vu, il y a une espèce de portée. Et en fait, quand tu montes, ça fait une petite musique. Et en fait, dans cette tour, tu vas être obligé de faire certaines missions pour pouvoir avancer. 4 en l'occurrence, parce qu'il y en a une qui est associée à chaque statue. Ok, 4 statues. Environ 20 millions de morts, on est loin des standards actuels. C'est vrai. Voilà, le petit point de sauvegarde. Sauvegarde. Et où? Ah là. Voilà. On va sauvegarder. On va marquer une courte pause. Et on se retrouve juste après. Je vais couper le stream, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Et je vous dis à tout de suite. Ciao ciao.